Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Factorio en multijoueur. On se retrouve avec Katox. Salut Katox! Salut! Et on venait de voir une magnifique exemple de raffinerie. Et du coup, j'étais en train de poser des lampes, parce que voilà, c'est toujours plus joli des lampes. Et surtout de me préparer à faire des potions militaires. Alors ici, on va faire un petit tampon pour nos potions vertes, on n'a plus de coffre. Rapidement en speed pendant que j'y pense. Je promets, on se disperse pas trop. En théorie. J'en vois qu'il rigole au fond. Je n'apprécie pas du tout. Bon, sinon, ça se passe comment notre truc? On est plutôt bien, on a une production d'engrenage qui est correcte. On a peut-être une production un peu juste de fil, mais non, quoi, non, ça va encore. Hein. On a une petite réserve d'avance de circuits électriques. On est en flux tendu sur les circuits électriques, sur les fils, c'est pas mal. Et du coup, ça nous fournit largement ce qu'il faut pour le reste. Ici, on a 1,6 convoyeurs d'avance et 40 bras d'avance. Donc c'est pas fou, mais ça suffit. C'est pas mal. Et au niveau potion... Ah, on a plus de potion rouge. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a plus de potion rouge? Parce qu'on a plus d'engrenage. Pourquoi on a plus d'engrenage? Parce qu'on consomme tous les engrenages pour faire des convoyeurs. C'est un problème. Effectivement, ça, c'est un vrai problème. On va virer un convoyeur et on va faire des engrenages à la place. Je sais pas pourquoi je l'ai détruit, alors j'aurais pu juste changer la recette, hein, mais... Vous m'excuserez. Alors attends, ça stop. On va juste se contenter de décharger là, voilà. Et toi, visiblement, tu es à l'envers, bras. Donc en fait, on avait un truc d'engrenage qui ne produisait rien. Ce qui explique peut-être un peu pourquoi on était autant dans la mouise. Bon, alors là, il y a deux engrenages à ramasser, on va les prendre. Voilà. Ok, voilà, c'est reparti. On va refaire un peu de potion rouge. Ah, mine de rien, faut surveiller, hein, le flux il est pas forcément toujours fou. Et on va partir sur les potions militaires. Alors les potions militaires c'était le bordel. Il fallait des chargeurs de munitions perforants, des grenades et des murs. Pour les chargeurs il fallait des plaques de cuivre, des plaques d'acier et des chargeurs. Pour les grenades, du charbon, oh, putain. Et pour les murs, des briques. Donc tu m'avais fait un truc d'arrivée de briques, je crois, tu m'avais dit. Ou de pierre, je sais plus. Oui. De briques. Qui est ici. Parfait. Et donc ici... Ah, t'as commencé à fabriquer des moteurs? Bah oui, j'en ai besoin pour la locomotive. Alors je sais pas combien, si on en a besoin de beaucoup ou autre, mais du coup ça stocke là. Bah du coup c'est cool, hein, pour faire des voitures. Par contre, tout est tout. Enfin, je mets tous les ingrédients à la main dans la machine d'assemblage. Parce que sinon, ça sert à rien d'avoir 300 000, je crois. Alors, du coup. Hop. 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 Comment ça fonctionne? Ah, on la pose par terre. On la pose par terre. Ah, il faut du carburant, la déception. Ah, on peut mettre du bois dedans. Intéressant. Alors, comment ça se passe? Entrer dans la voiture à l'aide de entrée. Oh putain, trop bien! On a une mitrailleuse. Alors attends, comment elle avance? Ça c'est la marche arrière. Alors, on a fini notre recherche. On va faire ça. Pourquoi j'ai que de la... Ah non, d'accord, ok, faut passer vitesse, stop. Faut desserrer le frein à main. T'as ton permis? En fait, ouais, c'est assez bizarre. Enfin, c'est assez bizarre, ça s'entend, hein, mais... Ah, c'est chaud! Je sens qu'il va y avoir des accidents, genre à la Project Zomboid, ça va être assez violent. Est-ce que je peux sortir avec ma bagnole, là? Alors, en évitant de me prendre un train dans la tronche, tant qu'à faire. En fait, quand tu appuies une fois sur arrière, ça active la marche arrière. Et si tu veux réavancer, il faut interrompre la marche arrière et réappuyer sur avancer.
On a des feux, ça c'est cool. Est-ce qu'on peut prendre les portes? Oui. Est-ce qu'on passe? Non, on ne passe absolument pas avec une seule porte. Je viens de mettre une grosse tatane à un bras. Je m'excuse, bras. Est-ce que je peux passer par là? Faut oui. Pas aller trop vite. Hein. Ah putain, je peux pas passer. Pourquoi je peux pas passer? Si, je peux sortir, mais faut, ouais, faut être au taquet. Hein. J'ai une petite mitrailleuse. C'est là que je peux te dire, j'ai un micro décalage. Ah ouais, merde. Effectivement, là, si tu lags, ça peut vite être le drame. Ouais. J'ai quoi? J'ai une petite seconde de décalage, c'est chaud. Alors, pour sortir dehors, tu peux prendre la porte du train. Je te préviens, l'autre n'est pas assez grande. C'est l'heure de comprendre comment ça fonctionne. Et puis alors, de nuit, c'est l'horreur, quoi. Alors moi, je veux tester si elle tire toute seule ou pas. Ah oh, putain. Ah oh, putain, okay. Comment elle tire? Non. Ils ont explosé ma bagnole, quoi. Non, m'écrase pas. Putain. Ah, mais je sais pas de c'est où. Ah la vache, quoi. Le massacre. Bon, je l'ai distrait. Un objet a été détruit. Une tourelle est entrée en combat avec l'ennemi. Ouais, non, bah, ça, on s'en fout. Ouais, mais j'ai pas compris comment la tourelle tirait. Comment la bagnole tirait. Heureusement que j'avais une arme potable avec moi, parce que... Voilà, je les nettoie un peu. Ah, mais tu te fais cracher dessus, en plus, par les saloperies qui crachent, là. Oh, 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 oh. Ok, tu peux écraser les bâtiments. Accélère. Ah, t'as essayé d'écraser un nid, là. Un est attaqué. Bah ouais, ouais, j'entends. J'entends. T'as des trucs aux fesses, attends, je les élimine, voilà. Ah, il était presque mort, non. Est-ce qu'on peut attaquer? Mais j'ai pas trouvé comment faire pour attaquer avec la... Mais tu es celui-là? Ah putain, comme il crash, quoi. Je détruis un nid. Je suis mort. Ah merde, t'es... Mais j'ai détruit un nid. Ça se passe comment quand tu meurs, du coup? Je réapparais dans 2 secondes, donc je te dis dans 2 secondes. Et tu réapparais au milieu du tas? Non, en fait tu réapparais là où on a popé au début. Ok. Bon, on va reculer un peu pour se refaire. Là. Par contre, je crois qu'il va falloir... J'espère qu'on peut récupérer tout le stuff qu'on a sur nous. Parce que tu réapparais, t'as rien. Ah ouais, bah écoute, je suis en train d'essayer de nettoyer un peu justement la zone, là, donc je pourrais te dire après. Bah j'arrive, de toute façon. J'essaie de leur balancer des grenades. Oh non, je suis mort. Hashtag tristesse. Ouais, y a tout mon inventaire sur moi, je vois, là. Pendant, par contre, ça dure 14 minutes, hein, donc... Quoi, 14 minutes? Bah, c'était marqué sur mon corps, durée 14 minutes, et... Donc j'imagine que ça veut dire qu'au bout de 14 minutes, le cadavre disparaît, peut-être. Mer. Allez, tue-le. Non. Cet échec, je sens le méga fail arriver là. J'ai quand même eu le crasher, hein. Voilà. Alors, où est mon cadavre? Ici. Je ne suis pas mort tout seul comme un cake. C'est déjà ça. Allez, vite, on bute ces petites merdes. Mon cadavre, il est où? Il est là. Ah, mais je peux pas tout prendre direct, vous foutez de ma gueule. Comment ça se passe pour tout prendre? Oh putain, je le prends dans mon inventaire, quoi. Sans déconner. Bon, au moins, j'ai récupéré un fusil d'assaut. Comment on change d'arme déjà? Je sais même plus. Si c'est avec Tab, voilà, c'est ça. Bon. Ah si, ça m'a pris tout mon inventaire. Parfait. Ah, il y a une voiture détruite ici. C'est bien triste. Bon, bah on a nettoyé ce nid. Ah, mon cadavre, il est là. On a terminé notre recherche en attendant. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Du béton. Ah, ça me dit quelque chose. Je pense que ça va être pas mal, ça. Bon, bah, ça fait le taf, les voitures, mais... faut pas...
J'ai pas trouvé comment ça tirait. T'as réussi à tirer avec toi? Bah en fait faut mettre des munitions déjà. Ah putain, oui. J'ai pas pensé à ça. Et puis en fait je pense qu'une partie du moment où t'as des munitions, ça va mieux. Bah oui, j'imagine, ouais. Ça paraît con, mais je me suis dit ça va, c'est comme une arme de poing, il va tirer dans ton inventaire, mais non. Absolument pas en fait. Comment on répare les trucs? Bon bah voilà, on a essayé les voitures et elles sont décédées. C'est la voiture et elles sont mortes. Voilà. C'est triste. Faut le dire. Grosse grosse déception. Du coup, j'aurais absolument pas fait ce que je voulais faire, à savoir bah pas ça. Et c'est toi, tu m'as distrait avec tes moteurs aussi là. J'ai vu les moteurs, je dis oh tes moteurs. Ah oui, c'est pas toi qui avais dit pas si longtemps que ça que t'allais faire science et que rien ne bourrait de temps. Non? Moi, je ne suis pas sûr d'avoir dit que rien ne pourrait m'en... Voilà. Hein? Déjà? J'en rajoute peut-être un petit peu. Je tiens... La vidéo n'est pas là pour le prouver, donc à partir de là, voilà. Hein? Tout simplement. Il va éditer, il va juste couper. C'est... Oh, c'est dommage. Non. Non, voilà. Franchement, je trouve que c'est extrêmement désagréable, ce... J'oserais aucunement cet ostracisme, parlons d'ostracisme, voilà. J'oserais aucunement remettre en cause ta parole, enfin. Voyons. Alors, on va faire des chargeurs. Ah, tu les fais là directement, ces chargeurs? Bah, non, c'est pas bien. Non. J'avais un peu la. Non, mais t'as raison. Mitz, sors les trois qui sont là-bas. J'avais la flemme de tirer un truc de briques jusqu'à hyper loin, mais non, mais t'as raison, il vaut mieux que je le fasse. Extrait plutôt ceux-là, si tu veux, je t'amène les briques jusque-là. Non, mais de toute façon, il me faut les briques, les plaques d'acier et tout, donc non, mais de toute façon, j'avais prévu de la place pour faire les briques, on peut... en bas. Les briques, y'a pas de soucis, regarde, je les fais passer par ici, juste là-dessus. Non, non, je vais les tirer vers en bas, t'en fais pas. Je vais les tirer vers Parce en bas. Parce que en soi, c'est vrai que c'est logique de faire les chargeurs au-dessus que les. Ouais, bah les chargeurs. Bah après, donc, on peut effectivement faire une usine de chargeurs et puis je tire des chargeurs là où j'ai besoin. Hein. Mais il va falloir remonter des plaques de fer du coup. Parce que, bah non, regarde, tu prends les. Tu vois, ici pour l'acier, j'ai pris les 3 usines du côté. Mmh. Bah pour les chargeurs, prends les 3 usines du côté. Ces 3 là, tu veux que je prenne? Voilà, moi je vais t'amener les briques. Non, non, mais du coup, je vais faire une usine de chargeurs qu'on branchera sur là où on voudra et je vais les descendre en bas les chargeurs. Ouais, c'est ça. Bah du coup, je dois comme t'amener... Ah oui, non, tu as amené les briques pour après. C'est ça? Ok. Ouais, ouais, les briques, je les descendrai en bas. Là, je vais poser ici, du coup, mes fabrications de chargeurs. Hop. On charge, on charge, on charge. On décharge, on décharge, on décharge. Ouais, c'est pas du tout ça, c'est ça. Hop. On va poser un petit coffre, parce que pourquoi pas. Et donc après, je pourrais les tirer vers en bas. Alors, ouais, pourquoi t'as mis deux enchaînements de coffres, hein, c'est ça? Oui, mais c'est parce que, voilà, plus on en met, plus on a du tampon, quoi. Ok. Oui, là, je pense que de toute façon, il faudra les faire remonter assez vite pour s'occuper des tourelles. Il ne s'agirait pas qu'on ait des tourelles qui arrivent à poil à un moment. Bah ce que je vais faire ça ici. Ah, je vais faire l'entrée là. Et je vais le faire remonter, bah, vu qu'ici pour l'instant on n'a pas besoin. Hop hop. Voilà. Chargeur. Chargeur et chargeur, voilà. Voilà, je vais le faire rentrer ici. Moi je m'occupe du reste. Ok. Du coup, je vais en choper quelques-uns. Hop. Et on va les envoyer par ici. Non, putain, je mets encore deux sens encore. Yop. Ouais, on va essayer de faire le plus de chemin possible en souterrain. Voilà. J'ai que un seul truc souterrain. C'est complètement con. Je sais pas comment ça se fait, mais. Ça sous-entend que j'ai dû faire de la merde quelque part.
Voilà, et ici, on va faire du coup. Hop. Hop. Et on va tirer du coup un truc vers le bas. Ça ne va pas ça. Je veux que vous arriviez sur l'autre. Voilà, parfait, c'est mieux. Donc là, normalement, on devrait avoir des chargeurs qui arrivent, non? On n'a pas de chargeurs qui arrivent. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'a pas de chargeurs qui arrivent? Parce que j'ai fait de la merde avec mes bras, ça que vous me dites? Parce que j'ai fait de la merde avec mes bras. Ok, j'admets, j'admets, j'admets. Donc là, on a du coup une ligne d'acier, une ligne de chargeur. Ici, on a de la pierre. Donc on va pouvoir tirer des petits chemins tout en bas. Voilà, on arrive par ici. On verra après où on va. Ça y est, nos premiers chargeurs arrivent. Ici, on va choper du coup un bras. Et normalement, on devrait avoir toutes les matières premières qu'il nous faut, hein. On a besoin de chargeurs, on a besoin de plaques d'acier, on a besoin de plaques de cuivre. Donc on a besoin de char. Ah, il nous faut du charbon aussi. On a besoin de quoi? De charbon et de plaques de fer. Ah, donc je vais peut-être plutôt me foutre direct ici, faire mes grenades dans le coin, quoi. Il me faudrait encore des plaques de fer. Voilà, l'approvisionnement, c'est refait. Je pourrais peut-être ponctionner ici, ponctionner ce charbon-là. Ou alors je me fous. Ouais, mais j'ai besoin de plaques de fer de toute façon. J'ai besoin de plaques de fer et de plaques et de charbon. Ça te va si je me grève genre en dessous d'un de tes fours? Genre par exemple ici là. Quoi pour le charbon? Bah j'ai besoin de plaques de fer et de charbon en fait. Donc soit je tire du charbon et tout en bas. Bah, chauffe du Soit je charbon, bouffe. mais mets-le en. Ouais, on va le mettre en ligne comme ça, quoi. Ok, donc on tire du charbon, ça me va. Ah On va le tu laisser fais en comme ça. souterrain? Ok, bon je vais Là, récupérer c'est plus ça. facile à enlever si un jour on doit refaire, tu sais, étendre la zone des fours. Ouais, moi j'ai fait Après, des trucs un peu comme des comme ouais comme ça, ouais, j'avoue. ouais, après c'est tout ce qui me reste, hein, donc voilà. Voilà, tiens, je te mène là. Et voilà. Que le charbon pour l'instant, ça va. Ah, on va prendre une petite armure comme ça. Ouais, le charbon, je suis d'accord, ça, on n'est Voilà. pas trop dans le mal. Voilà. Non, Du pas coup, il me trop. faut des plaques de fer et du charbon, c'est parfait, on a des plaques de fer et du charbon. Ici, il me faut des machines d'assemblage. On va en faire un max. Il me manque quoi? Des plaques de fer, ok. Voilà. Faisons ça comme ça. Alors, on va en poser une. Du coup, si on peut mettre notre charbon par ici, il faut qu'on soit à deux cases. On va enlever un peu comme ceci. Donc ça va nous permettre de faire nos grenades. Avec ce qu'il y a sur ce tapis, on devrait pouvoir faire nos chargeur perforant, c'est ça? Il faut des plaques de cuivre aussi, donc faut qu'on l'emmène plus bas. Les grenades, on a du charbon, des plaques de fer. Il faut quoi d'autre? Des murs. Et les murs, on a des briques. Ok, donc on va emmener tout ça par là, là. Et on va faire ça par ici. Ouais, on va tout faire là-bas en fait. Ce sera plus simple. En plus, on a encore 2000 convoyeurs dans l'inventaire, donc on va pas s'emmerder. Par contre, on voit que dalle. Ici, il va nous falloir un séparateur. Qu'on va mettre par exemple là.
amène tout comme ça, on fera le tri après. Bon, sachant que là, je vais devoir à un moment faire des trucs souterrains et tout, donc j'interromprai un peu les machins, mais... Déjà, on va amener toutes les lignes. Voilà. Oh, c'est beau cette production. Ça se fait, hein. Il nous faut des chargeurs, il va nous falloir les plaques de cuivre, les plaques d'acier. Donc là, si on va mettre les trucs à chargeur ici, du coup. À côté du cuivre. Donc il faudra qu'on lui amène ce truc là. On peut même se mettre un peu plus haut, il n'y a pas de raison de se mettre aussi bas et de perdre de l'espace. Voilà. Ok. Petit virage, non? Petit virage, peut-être? Peut-être un petit virage? Voilà. On a terminé l'armure modulaire. Parfait. On pourra faire des modules. Bonus de capacité des bras robotisés. Ah, bah c'est cool ça. On va faire ça. Allez, c'est parti. En plus, ça demande que du vert et du rouge. Normalement, on a ce qu'il faut. Ouais, on est bien en vert et en rouge. Parfait. Ici, je suis d'une case trop proche. Échec. Échec, échec habituel chez moi. Hop, 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 hop. Voilà. Donc on charge là, on charge là, on charge là, on charge là, sans vire. Et on pourra décharger à côté. On va donc faire tout de suite... le déchargement. Hop. Hop. Donc ça, ça sera pour fabriquer des chargeurs de munitions perforants. Donc on a nos munitions perforantes. Ensuite, il nous faut des grenades. Les grenades. On va les faire à côté du coup. Il nous faut ces deux trucs là. Est-ce que je peux aller un peu plus loin? Je crois que c'est au max. Hein. Ouais, je suis au max. Hop, hop, hop. Dégage-moi ce mur, merci. Là, normalement, j'ai suffisamment. Voilà, pour aller jusqu'ici. Toc. Et donc là, on va faire nos grenades. Alors, faut aller jusqu'où? Jusque là. Oula. Et je pense qu'on déchargera sur la deuxième rangée de ce truc là, il n'y a pas de raison. Donc là on charge, là on charge, là on charge, là on charge, là on fabrique des grenades, on fabrique des grenades. Et du coup tu déchargeras là-dessus et là-dessus. Un peu de courant, on a un fil qui arrive ou pas dans le coin? Ouais, là. Ici on peut pas mettre un petit truc. On va vérifier du coup si quoi que... on va enlever ça d'abord. Alors pourquoi tu décharges pas toi? Parce que c'est super long à fabriquer les grenades. Très très bien. Ok, ils mettent bien sur l'autre colonne, parfait. Ça me va. Très
Très très très bien, très 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 bien, très 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 bien. Alors du coup, une fois que ça c'est fait, il nous faut encore un truc, je crois. Ah oui, des murs. Bon, les murs. On a ce truc là qui est là. On va juste l'amener. Bah, je l'amènerai peut-être bien en dessous. Genre, est-ce qu'on pourrait pas... Non, on a déjà deux lignes de fer, donc on peut pas se permettre d'envoyer sur la ligne de gauche. Pareil pour le charbon. Dommage, ça, c'est dommage, tiens. J'aurais bien voulu profiter un peu d'un des trucs, mais non. On peut pas... du coup, on ne va pas le faire. Du coup, faut qu'on l'amène. On va passer là, je pense. Coller à ce truc là et récupérer ici, et on devrait avoir du coup ce qu'il faut pour faire nos potions militaires par là. Il nous faut plus de machines d'assemblage, donc toi on va te virer pour pouvoir passer. Non, c'est dans le mauvais sens, même s'il fait nuit je suis capable de le voir. Tu essaies de me blouser, je t'ai vu. Hop, 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 non, je peux passer là, ça suffit. Ah parfait, ça passe, du coup on va pouvoir mettre le poteau. Et assemblage, assemblage. Ah, j'ai plus de bras. Drame. Je peux en faire plus que 5. C'est terrible. On charge, on charge. Et donc ici, on fait des murs. Hop. Bon. La voiture, ça fonctionne bien. Hein. Bah, j'imagine que quand tu fonces pas au milieu des ennemis, ça va de mieux, non? Non, tu les gères quand même. Elle prend quand même un petit peu de dégâts, quoi. Ouais, mais je vois que t'élimines quand même plutôt bien les mecs autour, quoi. T'as nettoyé deux nids, là, non? Attention, t'as d'autres saloperies qui se ramènent sur toi. C'est pas que j'ai nettoyé deux nids, c'est que c'est... En fait, le truc, c'est que la tourelle prend un temps pour pivoter. Et donc, il faut vraiment... tu peux pas juste tourner autour et espérer que la tourelle, elle suive. Ah oui, ouais, t'es obligé de te stabiliser un peu, parce que sinon, de toute façon, voilà. Elle tourne plus vite, elle tourne moins vite que toi, quoi. Ouais, et puis ça commence à cracher des trucs qui sont solides. Hein. Non, je suis coincé. Essaye quand même de pas mourir, ce serait pas plus mal. Non, ça va. J'ai plus de coffre. Ah merde, j'ai plus de coffre. Ah, t'as été tué. Bah écoute. Non. Pas du tout de quoi tu veux parler. Je suis pas mort du tout. Ok, bah si, c'était pas mort. Vous êtes témoin, il n'est pas mort. N'est-ce pas? T'as pas de preuve? J'ai aucune preuve, tout à fait. Mais je t'ai fait des trucs pour avoir des meilleures armures. Hein. Ouais, mais j'avais pas. J'avais pas grand espoir de survie. Bah, j'ai pas déjà fait cette recherche, hein? Ah, je me suis planté. Allez, c'est parti. Oui, c'est un coffre que je voulais. Voilà, donc du coup, maintenant qu'on a ça, on peut... alors est-ce que je mets ça dans un coffre ou pas? C'est la question, parce que je pourrais peut-être directement mettre mes usines de potions, mais je veux beaucoup de... Ouais, non, je veux beaucoup de trucs. Donc on va faire l'usine par là. Alors il me faut encore plus de... truc d'assemblage, il m'en faudrait 6 dans l'idéal. Même si on voit qu'il y a une... C'est marrant, la production de potions vertes est vachement plus importante. Pourtant j'en ai autant qui fonctionnent. Mais bon, c'est pas très gênant. Hein. Ouais, il en a quand même 644 là, donc non, c'est juste qu'il y a moins de... Là c'est sur deux colonnes donc ça se voit mieux, mais en fait rien à voir. Pourquoi c'est sur deux colonnes d'ailleurs? Parce que le truc est... D'accord.
Intéressant. Donc s'il était en face, il serait sur deux colonnes, alors vu qu'il est de côté, il est ce que sur une. C'est bon à savoir. Du coup, on va quand même copier ce schéma-là. Voilà. Juste ça. Et on va le poser, par exemple, par ici. Un truc comme ça. Voilà. Ça, on vire. Donc, il faut qu'on amène des ressources ici, des ressources ici. Il faut quoi déjà pour les potions vertes? Non, noir. Ah, il faut trois ressources. Il faut qu'on amène trois ressources. Donc ça ne va pas marcher en fait. Il va falloir qu'on soit probablement un peu plus éloigné pour pouvoir rajouter une arrivée de un autre tapis sur le côté en fait, tout simplement. Donc on reprend ça. Hop, voilà, on va se mettre par là. Oui, encore que vous me direz, on est sur le même truc, donc ouais, non, c'est peut-être pas forcément nécessaire. On évacuera par là. On n'a pas assez de machines. Il nous faut quoi? Il nous manque de tout en fait. Toc. Donc là, je peux pas utiliser de bras filtrant tout simplement parce que j'ai besoin de charger les deux. J'ai pas besoin de charger l'un uniquement. J'ai besoin de charger les deux. Du coup, le bras filtrant ne matche pas dans le concept. Par contre, le reste devrait marcher normalement. Donc, on fabrique un peu de ça. On va fabriquer encore une comme ça. Toc, toc, toc. On a fini la recherche. Parfait. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Du lance-flammes. Ça te dirait un petit lance-flammes? Robotique de combat. Raffinage du pétrole avancé. Non, il faut du jaune pour ça. On va pouvoir s'y mettre au jaune hein, bientôt, j'espère. Oh, ça commence. On va partir là-dessus. Pour peut-être faire aussi productivité minière. Ou Ouais. vitesse de recherche en laboratoire, tiens. Je pense que ça, c'est un des premiers trucs à faire. Productivité minière. Ou vitesse de recherche en laboratoire, je pense que. Ouais, mais il nous faut du bleu. Pour ça, c'est le problème. C'est qu'on n'a pas de bleu encore. On n'a pas de bleu. Par contre, je pourrais faire des modules d'efficacité ou des trucs du genre pour améliorer les machines. Ouais, ça on peut faire, ouais. Parce que du coup, ça voudrait dire qu'on peut. Allez, des machines qui sont pas assez rentables, on peut directement booster la production. Tout Ça à peut être fait. très pratique. On peut même mettre des modules dans les trucs de science si on veut d'ailleurs. Oh, mais attends, on a encore pack de sciences de production, de sciences utilitaires, de sciences spatiales. Au secours. Alors, ici, on met du. Comme ça. Comme ça. Il n'y en a pas, par exemple, traitement avancé des matériaux. Ah non, faut des bleus aussi. Ouais, bah on commence à être limité par le bleu, hein. Très clairement. C'est la prochaine étape, hein, le bleu, hein. Bon, par contre, il va falloir qu'on arrête l'épisode là parce qu'il est trop long. Je suis désolé, j'ai pas pu finir du coup, mais on finira ça lors du prochain truc. On sortira ici nos machins et on les amènera là. En tout cas, n'hésitez pas quand même à laisser un petit commentaire, nous dire ce que vous en avez pensé et eh bien, on se retrouve très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut.